Comment faire quand on est un ENFJ ou un ESFJ pour euh, être entier, pour avoir une personnalité qui soit euh, complète, qui soit maîtrisée, comme on dit en anglais on parle d'alpha state. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre cette alpha state euh, en tant que ENFJ Il faut savoir que les ENFJ ont cette toute première fonction qui est FE, c'est-à-dire que quand ils vont chercher à prendre une décision, quand ils vont vouloir faire quelque chose, leur décision, elle va être basée sur les valeurs, sur comment est-ce qu'on se sent par rapport à cette chose-là, sur l'ambiance que crée la chose en question. Donc, s'ils veulent choisir euh, un, une nouvelle voiture, ils vont voir comment est-ce qu'ils se sentent dans la voiture, comment est-ce qu'ils trouvent la voiture, est-ce qu'elle leur plaît, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'ils ont envie d'avoir ça comme voiture. Et ils vont faire ça sur un spectre, c'est-à-dire qu'ils vont voir ce que eux-mêmes pensent de la voiture avec la fonction F, mais ils vont aussi demander aux autres qu'est-ce qu'ils en pensent, et est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont encore mieux, parce que toutes les fonctions extraverties essayent de trouver le meilleur dans la fonction en question. Donc avec FE, ça va être, c'est quoi la voiture la plus agréable, la plus cool, la plus euh, enviable, sauf que le problème va arriver au moment où, en fait, la voiture la plus cool, la plus euh, appréciée et appréciable, etc., en fait, euh, ils vont se rendre compte que ça marche. Euh, en fait, c'est pas pratique. Une Tesla, c'est super cool. Elles sont trop belles quand on dedans, est assis dedans, c'est trop cool. Tout le monde trouve ça super classe, etc. Mais c'est pas pratique. Le volant il marche pas bien. Leur manière de fonctionner ne correspond pas à cette voiture là. Ils ne vont pas trouver ça pratique. Ils vont pas trouver que ça marche bien. Ils ne vont pas trouver que c'est la manière la plus euh, logique de conduire une voiture et c'est là qu'ils vont souffrir de leur personnalité parce que même si en fait ils n'aiment pas, ils trouvent pas pas que c'est la meilleure voiture, ils trouvent c'est un peu débile en fait, même les voitures électriques, etc., comme ça, c'est pas pratique, il n'y a pas des bandes partout, euh, ça coûte super cher en électricité, pour mettre le truc, pour la charger chez toi, c'est des frais, des frais, des frais, etc. C'est pas quelque chose qui, euh, qui leur paraît marcher le mieux. Sauf que ils savent que s'ils prennent la voiture qui leur convient à eux, bon... Elle est beaucoup moins cool, c'est une vieille Punto. Wow. Pour eux, ça marche bien, pour eux, c'est très bien, mais voilà, ils vont être vus de manière un peu bizarre. C'est moins cool, il n'y a pas cette vibe-là quand tu vas voir cette voiture-là, il n'y a pas ce côté cool. Et ils savent que tout le monde va le voir ça, qu'ils sont inadaptés, qu'ils n'ont pas la voiture euh, qui, est, qui, est, qui est appréciée par le, par le groupe. Ils vont être trouvés bizarres. Mais quand les ENFJ arrivent ou les ESFJ arrivent à justement... Prendre une décision par rapport à donc leur pensée introvertie. Ils savent très bien que quand ils vont avoir leur voiture, ils vont être moqués, ils vont être regardés bizarrement, mais pour eux, c'est la voiture qui marche le mieux. Pour eux, c'est comme ça qu'ils aiment conduire, c'est comme ça qu'ils trouvent ça logique, c'est comme ça que eux fonctionnent, et ils vont réussir à prendre cette décision-là uniquement par rapport à ce qui marche pour eux personnellement. Quand les ENFJ arrivent à utiliser leur pensée introvertie, c'est là qu'ils atteignent donc l'alpha state, c'est là qu'ils arrivent à avoir une personnalité qui est maîtrisée, qui est équilibrée et dans laquelle ils ne devront plus souffrir de euh, la... Enfin, la trop grande importance, la surutilisation de leur fonction dominante, qui est très très bien à bien des égards, elle c'est absolument génial, mais quand ça te fait souffrir parce que tu vois bien que tu ne fais plus les choses pour toi-même, mais plutôt pour voilà, pour plaire et pour ne pas être, enfin par peur d'être vu comme étant bizarre, par peur d'être vu comme ne pas étant, euh, tu vois, comme tout le monde, à ce moment-là, ça te fait souffrir et ce n'est plus quelque chose qui est sain. Quand on est un ENFJ euh, qui maîtrise sa personnalité, qui a une personnalité équilibrée, on arrive à prendre des décisions par rapport à notre... Pensée introvertie. Donc si tu veux, toi aussi avec ta personnalité, parce que il n'y a pas que des énergies qui regardent cette vidéo, mais si tu veux toi aussi apprendre à équilibrer ta personnalité, savoir la maîtriser, savoir utiliser tes fonctions inférieures, etc. Même si tu ne connais pas ton type, j'ai créé une formation complète, il y a le premier lien dans la description. Et seulement pendant 24 heures, tu as droit à 100 euros qui sont totalement offerts sur cette formation-là, plus un mois à l'espace-monde qui coûte normalement 87 euros. Tu auras donc la formation. Tu bénéficies d'une garantie qui te permet de tester la formation sans risquer quoi que ce soit. Euh, tu es gagnant sur tous les points. Tu bénéficieras aussi de l'espacement. donc avec des centaines et des centaines de contenus qui sont disponibles. Tu pourras aussi profiter des nombreuses vidéos qui sont en bonus dans cette formation et tu y accéderas pour toujours immédiatement dès que tu passes commande et ce sera pour enfin ce sera à toi pour toute la vie. Premier lien dans la description. La promotion s'arrête dans seulement 24 heures et voilà comment équilibrer sa personnalité quand on est un ENFJ. Prends soin de toi, à très bientôt. Salut. Ou un ESFJ, pardon.